Voilà team, j'espère que ça va. Bon là je suis avec mon frère. Et il fait pas trop mauvais aujourd'hui. Ça change un peu, il n'y a pas de pluie. Alors là on va au karting loisir 86 à côté de chez moi. Et là on a emmené la bête, il y en a une autre derrière. On va sortir des kartings. La dernière fois que j'en ai fait, je suis resté 2 mois avec mal aux côtes. Là c'est la reprise, on va voir si ça passe avec les côtes et puis celui de mon frère, ça fait 7 ans qu'il a pas tourné. On a essayé, on va voir s'il marche aussi. Allez, à tout de suite. Ça y est, on est au karting loisir à Usso. Avec le frangin, le deuxième frangin. Et la sortie de grange là. Là, là, il y a le monstre là. C'est 2TM, 225 à boîte. Toi, c'est un KV, KV toi. Ouais, KV 95. J'ai envie d'en prendre les mêmes, mais putain, c'est ça. On va voir ce que ça donne. Hein. Ah bah oui, on va rester loin derrière, mais bon, c'est pas grave. C'est ça quand on est bon, quoi. Voilà pourquoi je préfère la moto en vrai. Faire les mélanges, putain. Ça me rappelle l'époque de la 50. On devait faire les petits mélanges. Sauf que là, c'est pas le même moteur. Là, quand on veut pas se faire chier pour les dosages, on prend un commis. Qu'est-ce qu'il fait servir? Beaucoup trop, là. Bah non, pas beaucoup. Ah si, j'en mets beaucoup moins, moi. 3%. Je sais pas, j'y fais pas confiance. T'es sûr, là? T'es pas sûr si t'en... Mais si, c'est que j'en ai mis un peu trop. Chevrolet, sponsor par Chevrolet, hein. Attention. Attention là. Le kit déco, il a aussi 10 ans. Fait par cet homme là. Professionnel de. Mais j'étais déjà bon. Hein. Ouais. C'est lui qui a fait mon kit déco sur la YZF. Bon, il a du taf encore. Hein. Enfin, il y a lui là. Il a pas vu? Ça semblant de pas entendre. Hein? T'as quoi c'est? Je crois que j'ai envie de chier. Ça c'est moche. J'ai déjà failli tomber en plus. Bah ouais, en fait t'aurais dû partir un petit peu plus vite. Allez. Thank you.
Bon alors Pépère, les cartes ? C'est assez nickel. Nickel mais pas trop quand même ? Parce que le carte est vrai, faut que je refasse. On va aller voir ça. On va aller voir le pilote TMS les gars. Allez voir sur Facebook. TMS Tony Motorsport. Il a eu une grosse chute l'année dernière. Et là il reprend juste bah, le kart et la moto dans pas longtemps. C'est mignon ce petit bruit. Maintenant c'est mon autre père qui est parti avec mon car parce que le sien bug. En même temps, 7 ans sans avoir tourné et en fait il a tout touché niveau châssis. Mais rien du tout niveau moteur. Franchement c'est cool. Mais il pète un peu alors bah. Du coup j'y laisse le mien il a le démon. C'est pas une auto, c'est le démon carrément. Alors du coup voilà. Donc là maintenant on va peut-être faire un petit cylindre piston sur le car, histoire de voir. Parce que le piston ça fait 7 ans qu'il a pas tourné. Mais le mec d'avant ça devait faire 2 ans, donc c'est pas mal pour un 125 quand même, surtout les tours que ça prend ça les cartes. Et voilà, là je vais essayer de faire des petits plans sympas, pas avec moi dessus mais bon, déjà pas mal. Là les gars je vais prendre un risque parce que je vais mettre la GoPro ici. Si il se loupe, bah vous allez voler. Hein. Vous avez survécu. On va voir si là aussi.
J'aurais dû péter une vitesse. Bon voilà les gars, on va se laisser là parce qu'il n'y a plus grand chose à faire, on est que deux. C'est surtout pour dégourdir les jambes de nous et du petit kart là-haut là. Puis voilà. Hein. Donc là c'est la fin, n'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo, c'est cool. C'est ce qui fait que ça marche et qu'on a envie de continuer. Je suis en train de faire l'outro, espèce de bâtard. Comment? Je suis en train de faire la fin de la vidéo, espèce de bâtard. Ah, merde. Alors, ça fait quoi de karting qui marche? Ah bah c'est bien. Bah merde, c'est quoi qui va te connaître? C'est Chevrolet, toi. T'as mis Dodge, c'était bon. Même un petit Peugeot, là. Non. Bon bah du coup, cette fois, c'est vraiment terminé. Là, on a tout rangé. Là, on va y aller. Comme j'ai dit, c'était au karting loisir de Husso dans 86. N'hésitez pas à venir si vous faites du supermote, de la pit bike, du karting. Là, il y a l'outdoor et l'indoor qui est juste là. C'est complet. C'est carré. Un bon circuit. Bon, nous, on commence à le connaître par cœur, mais bon. En même temps, c'est un 10 minutes de chez moi. Et voilà. Dans la dernière fois, je vous ai parlé de gros projets. C'est parce que vous avez vu mon frère là ici, il a un team TMS et ils ont participé aux 23h60 du Mans, donc c'est les 24h du Mans, et vu que c'est une marque déposée, c'est en 2,50 cm3. Et du coup on a pour projet de faire ça entre frères si c'est possible, si tout le monde est disponible. Et puis d'autres parce qu'on n'est que 3 à piloter. Et voilà, donc c'est pas gagné. Le physique il est pas là, donc faut le gagner. Et puis voilà. J'espère que vous allez continuer à nous suivre. On va sur ce les gars. La vidéo touche à sa fin, c'est fini. On se retrouve pour autre chose. Allez, peace.